President, please be seated. The court is now in session. The chamber wishes to inform the parties that the request by Khieu Samphorn defense team is granted and the schedule to hear PTCW 953. Is there any issue with the interpretation system? Court officers, please work with their technical staff to deal with the issue. President, the court is now back in session. The chamber wishes to inform concerned parties that the request of the defense team for Mr. Khieu Samphorn is granted. La requête the request de la concerne de the change of the schedule to hear le changement du calendrier pour entendre deux TCW 953 après la fête des eaux. And this decision of the scheduled change will be informed via email of the senior legal officer. Le juriste hors classe annoncera officiellement aux parties cette décision par courriel. Although there is change in the schedule, malgré le changement de calendrier, we will then start to hear two TC the civil party, and all parties will receive an email from the senior legal officers for further information. Un courriel du juriste hors classe contenant un complément d'information. Now it is the floor for the responses in relation to submission made by Khieu Samphorn. Mr. Co-Prosecutor, you may now proceed. Au document thank you, Mr. President. Présenté par la défense de Khieu Samphorn, l'accusation à la parole. Another group of documents that were presented by the Khieu Samphorn la défense defense, de Khieu Samphorn a présenté un autre groupe de documents, diplomatic cables, à savoir des documents that originated from des documents diplomats or foreign analysts envoyés from par other des diplomates countries. Ou des analystes étrangers them, d'autres pays. Is document E3-9723. This was a memorandum written by an official from the Australian embassy un responsable de l'ambassade australienne in August 1975. En août 1975. And my general observation on these is that one needs générale. To be careful what one is reading here. Il faut être prudent. In other instances, dans d'autres cas, in these diplomatic documents, documents from other countries, sometimes de there are factual diplomatiques reports ou de documents of conversations pays, that took place, or des informations letters that factuelles were received. Sur des conversations, but in des other cases, reçues, mais dans d'autres cas, here is an example, et c'est présentement we're ce really qui se passe ici. Often reading rather bien souvent, speculative analysis, il s'agit d'analyses pleines de spéculation, des analyses faites par des gens assez éloignés de la situation well concrète. Understood. Et donc des gens and qui comprennent mal cette situation. Cela ressort clairement dans le cas du document E3-9723. Prenons la première page, paragraphe 7. Il est question de commentaires faits par différentes and ambassades. Seven, let me just paragraphe 7, starts je vais by lire. Saying the Romanian chargé has an le chargé d'affaires roumain a une théorie différente, pleine d'hypothèses, pour ce qui est de l'incident relatif à l'île. C'est un document qui porte sur le conflit
autour this des îles. This is an observation that one has to look and be careful where we're. Il faut donc être prudent. Using documents quand on utilise really are rather speculative, des documents sometimes uninformed, qui parfois pieces of work. Ne sont pas écrits en connaissance de cause et contiennent de simples hypothèses. A different document, but documents quelque peu différents. That does have some of the same problem. Mais on y retrouve un peu le même genre de problème. E3/882 that was presented by the document defense. Présenté par la défense de Khieu Samphan. This is actually a telegram that comes from Democratic Kampuchea's ambassador to Vietnam. De l'ambassadeur dans l'ambassadeur du KD au Vietnam. Person that donc, does have bien entendu, cette personne possède des informations de première main sur les relations, les communications entre les deux pays. But toutefois, this document was presented by ce document était présenté par la défense to support the notion that the foreign pour community démontrer que la communauté internationale voyait le Vietnam comme étant retors. Or, quand on prend cette partie du télégramme, you're either A, getting the opinion of, soit on obtient l'opinion de cet ambassadeur qui écrit à ses supérieurs qui sont à Phnom Penh, or ou alors, he's passing on in some l'ambassadeur, cases, dans certains cas, end, et prenons la fin du document, l'ambassadeur donc intitule cette partie « Avis des étrangers à Hanoï ». Et je vais lire. C'est plutôt quelque chose qui ressemble à des racontars entre des diplomates à Hanoï, des racontars entre des gens qui ne connaissent pas directement les faits réels entre les deux pays. So it is a word of caution about donc, the encore une fois, il faut être prudent par rapport à la valeur probante de certaines de ces déclarations dans ces documents diplomatiques. And I would also note, as par was ailleurs, the case with Ya, comme dans le cas de Ya, Khieu Samphan's counsel described l'avocate this as a de Khieu Samphan rather brilliant a analysis a présenté by ceci the, comme une analyse DK brillante to faite Vietnam, par l'ambassadeur du KD au Vietnam. The CPK leaders at home, les dirigeants du PCK au Cambodge share, apparemment ne appreciate partageaient pas cet avis quant au travail, aux analyses de Chin, pas because, autant again, que la défense de Khieu Samphan. En effet, encore une fois, diplomatic relations ended, quand and Chin les relations diplomatiques ont été rompues, quand Chin a Cambodia, été rappelé au Cambodge, a few months, he was sent to S21, il a été envoyé à S21 dans les quelques OCIJ mois qui ont suivi. 12927, dans la liste du BCJ, c'est le prisonnier 12927. You'll find on y retrouve King, alias Sok Kim, alias Chin, the DK ambassador to ambassadeur Hanoi. Du KD à Hanoi. He was kept alive il a été until the very gardé end, en vie jusqu'à la toute fin. Was still being interrogated et il était by encore Tui, en cours d'interrogatoire, un interrogatoire fait par Khieu, l'interrogateur qu'on utilisait pour les after his arrival. You'll find les interrogatoires les plus durs, et ce jusqu'au mois de décembre 1978. So that is the fate, donc le sort of the qui a été réservé document. À l'auteur de ce document. Two documents I want ensuite, to comment on deux your derniers honors documents are a couple of documents, meeting minutes that ce sont des comptes rendus de réunion Khieu Samphan team presented qui ont été to, présentés par la défense de Khieu Samphan suggest that there was a benign or peaceful intent of insinuer qu'il y a eu une towards attitude pacifique, Vietnam. Bienveillante du KD envers a, le Vietnam. The minutes of the selon Minister la of défense, Council's meeting the second meeting of the Minister of Councils of Democratic Kampuchea on the 31st of May, la deuxième réunion, 31 mai 76 du Conseil des ministres, E3/794, as evidencing la défense, disais-je, intent towards dit Vietnam. Que cela prouve qu'il y avait des intentions pacifiques envers le Vietnam. To, et j'attire votre attention the paragraph sur that follows un paragraphe the first section of these qui minutes are about après national la première defense partie, matters. Donc le début, c'est la défense nationale et juste en dessous, following a discussion page suivante, Eastern border, des discussions concernant la frontière à l'Est. Et il y a ici un paragraphe which, Vietnam qui dit, is not referred to by its name, qui montre que le Vietnam n'est pas désigné comme tel, mais every time, pas moins de 11 fois Vietnam is mentioned, quand il est question du Vietnam, contemptible.
ce pays est désigné comme étant le méprisable. As your honors well know, comme vous le savez bien, Madame, Messieurs les juges, vous savez bien que ce n'est pas vraiment un terme qu'on souhaite se voir appliquer. En tout cas, cela ne dénote nullement une position pacifique envers le Vietnam. Même chose pour le PV de réunion de septembre 77, réunion entre Son Sen et les secrétaires de division. This was a meeting between Son Sen and the Division 920 et la division 920 et ses dirigeants, document 799. And again, it was presented, encore une fois, ce document a été présenté dans le but de prouver que le Kampuchea démocratique avait une position pacifique et ne voulait pas s'engager dans un conflit. I simply want to draw your attention to the fact that it's rather remarkable this was put forward for this reason because, as I mentioned in my presentation, this document contains a statement by Son Sen made to his à l'intention division, about the des chefs de la division 920 au sujet des Vietnamiens. Et on ne peut pas embellir la réalité, c'est une déclaration raciste. Et ici, je vous renvoie à la déclaration qui se trouve juste avant ce que la défense décrit comme des instructions pacifiques adressées à la 920 au sujet du Vietnam. Je vais citer Son Sen. The Vietnamese people les have no work. Vietnamiens prostitutes abound. N'ont pas they de travail, no money, il y a beaucoup de prostituées, ils n'ont pas d'argent, money. Ils mendient, ils se battent entre eux. Fin de citation. Don't need to use many analogies, but, je ne veux pas recourir à une analogie excessive, mais dans vos propres pays respectifs, like this, si vous dites quelque chose de semblable people, au sujet d'un groupe entier de personnes, on vous qualifiera à juste titre de fanatisme. Donc c'est assez étonnant que la défense présente ce document en disant ce qu'elle a dit, alors que Son Sen, on le voit, tient des propos qu'on ne saurait qualifier autrement que comme des propos racistes envers les Vietnamiens. Et j'en terminerai à présent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. The chamber now le président, has the floor to merci. The defense team for la chambre passe Kyusum à présent la parole à l'équipe de défense de Kyusum Phong pour répondre à la présentation des documents clés faite par les coprocureurs et pour répliquer à la réponse des coprocureurs. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. L'essentiel de mes the observations aujourd'hui seront gist of my observations un retour today sur certains documents qui ont été documents, utilisés that par were l'accusation dans le cadre the prosecution, de sa présentation des documents clés, in its presentation of the key avec documents, bien entendu toujours, with, of course, still, souvent le cas dans as ce it's genre often the case in this kind of des hearing, citations de passage quotes from qui me semblent segments intéressants dans that ces seem relevant to me in these documents and that I should bring to your attention. Et du coup, ça me permet de rebondir this sur will allow me to react to the last remarks of the prosecutor de, on the issue of lorsque on utilise des documents d'époque, que using ce soit des documents from the period, whether they be document, diplomatic documents or when we use excerpts of works from authors who spoke to the different players or the different diplomates c'est at that period. De faire it is therefore indeed very, very important to be very careful and to know what the source of the information is and on what we base ourselves on or on what the speakers base themselves on or what their reasons are for conveying
that information. So when we use documents regarding what is said in diplomatic circles, and I said, I believe I said this when I brought up mes documents, my jeudi dernier, documents last Thursday, la question est pas simplement the issue is not only what's happening on the field, but what is said about what's happening on the field. And we learn a lot about what is being said and what is the language used to describe that. C'est important and it's important de mettre cela en perspective. To underline this and to take this with a bit of distance. And this is my first observation in relation to the documents that were presented by the prosecution, in particular the works of Nayan Chanda, of Stephen Morris, of Ben Kiernan. As we saw in the testimony of Stephen Morris, most of these sources are diplomatic sources. Des archives soviétiques from the Soviet archives, in which the information that is provided is information that is provided by Vietnam. So it might be a bit naive to not really understand what realpolitik is about, and to imagine that the diplomats do not provide information that will not serve their interests. Que ce soit bien so, clair, in order to be clear, je pense que ça avait été dit également. And I think this was also said jeudi dernier, last Thursday, when we des positions des uns et des speak autres, about c'est each de side's les position, confrontation. It's important to confront these positions, and, but of course the truth peu, is somewhere milieu. In the middle, I guess. Nayan Chanda, Nayan Chanda beaucoup utilisé, donc used, therefore, book E3/2376. Je vais parvenir. Sur l'intégralité des passages qui ont été effectués par l'accusation, mais simplement on the totality of the passages that were presented by the prosecution, but here once again, essentiellement des archives, most of the archives from Vietnam, and this is the case of Stephen Morris as well, and the case with Ben Kiernan as well, du Kampuchea démocratique, mais as well as they use a few archives of VK, but what's interesting is that there are not many, many books about the armed conflict in which there is an important use of documents from DK. Maybe these books were written at a time when these archives were not available, mais aussi, but et c'est peut-être aussi and un this is maybe one devant, of the issues presented before us today, we do not have an unlimited number of archives other than the diplomatic sources from Vietnam, or then the official statements, qui seraient les télégrammes ou les but anything that say dealing with telegrams or the orders that were given Vietnam, at the military level, ça, we don't have much of. And this is a real issue if we want to have a clear vision of what the conflict was and of the orders that were issued. And another general comment, as you understood, regarding the last objections we made recently, of course, we would like to remind you that everything that happened in Vietnam during the armed conflict is not... I'm speaking here about the specific fights. They're saying in such and such a village this happened. Well, these events are not part of the closing order, and the accused are not being charged for events that happened there. And the way that the prosecution is basing itself heavily on quotations from many books, such as Nayan Chanda and Ben Kiernan, well, the prosecution is basing itself on sources that do not fall within the scope of this trial. And in any case, we have one only single source here, which is Vietnam as well. So when the co-prosecutor says that it's a diplomatic source that is telling us that Vietnam was sometimes a bit devious in the information it provided and in its communication to the outside, it's not... Nous l'avons eu. Nous avons eu cette confirmation également de la part that kind of information de Maurice à l'audience. From Stephen Morris when he testified. Je pense que de façon générale, speaking, lorsqu'on a des relations internationales, we are dealing with international relations, and in particular in the case of armed conflict, realpolitik explains that people do indeed communicate to serve their interests. So this reminds me of the proverb that I like very much, qui dit que, which states that tant que les lions as long
historiens, as the lions will not have historians, history, de chasse seront toujours the history of hunting will always glorify the hunters. Dans le cadre so in the case of the armed conflict and of the elements that we have available to us, aside from certain telegrams from DK, which I'll get back to, but it's true here that essentially we only have des événements tels qu'elle a été distillée par le Vietnam, version of the que ce story, soit aux auteurs ou que ce soit dans le document qu'elle a bien voulu, que le Vietnam the version that was given to the authors or whether it be the story that the Vietnamese told to the rest of the world. Autre point, another point, and this is a document on which the prosecution attardé, relied at length in presenting les extraits des ouvrages, the excerpts enfin, of l'ouvrage the book by Mr. Que Sampan, E3/18, The History of Cambodia, histoire récente du The Recent History of Cambodia. Là encore, here, je once again, I'd like to refer you to the numerous observations that I already made on the issue. That is to say that it's very, very complex always to come explain that this is the position of Que Sampan, whereas je ne fais souvent que citer des références references are only being parfois, pas forcément, quoted in other authors' books, and not necessarily with a critical point of view. But it's interesting to note that when we spoke about, when in this book, Que Sampan refers to what happened and to Vietnam, sa source, with Vietnam, c'est Nayan Chanda, the source is Nayan Chanda, which we also find as a source with many, many donc là, authors. So this is queue, indeed the si snake biting its tail. If the evidence is mentioning a source, cite des sources vietnamiennes, which is a document mentioning Vietnamese sources, it's always a roundabout situation, and it's always difficult to see that we have an objective vision of the events. Mais puisque on a cité since we quoted an excerpt from Mr. Que Sampan's book, I'd like to return to what follows the excerpt that was used by the prosecution, document E3/18, on m'indique 18. Que le proverbe que j'ai cité n'a pas été traduit en Khmer. That I mentioned was not translated into Khmer, so I will repeat this proverb. Tant as long as the lions n'auront pas will historiens, not have historians, les histoires de chasse seront toujours of hunting à la gloire du chasseur. Will always glorify the hunters. La sagesse populaire est toujours intéressante. So popular wisdom is always interesting to look at, isn't it? Donc le document, so the document, le passage que je voulais citer, that I'd like à la to quote, suite de la part citée, following the part that was quoted by the prosecution in document E3/18, se trouve is at ERN French 00595447 ERN en anglais English 00103760 and Khmer ERN 00103849 on to the following page. Donc le dernier, so the last paragraph, paragraph par l'accusation était une quoted by the prosecution was contrairement an interview with Que Sampan in the 1990s, and contrary to my previous perception, is it rather the Khmer Rouge who, without assessing their own abilities, launched a policy of military attack against Vietnam that was much more powerful? Et il poursuit. And he continues. Évidemment. Of course. Je ne pouvais à l'époque des faits I couldn't back then, when suivre the facts happened, des conflicts follow sur le plan the militaire qu'à travers des rapports des cadres responsables de l'armée et the des principales zones and frontalières and in the main border à des areas, réunions élargies and du bureau permanent du PCK I could only also follow these reports, et à travers mes conversations avec eux. As well as with, my conversations mais la conviction que j'avais pu but me former à ce moment-là est que les incursions the incursions that were étaient des réponses that were à celles des Vietnamiens. A response to the Vietnamese incursions. À ma connaissance, as far as I know,
si les dirigeants du PCK étaient bien déterminés à affirmer leur droit souverain sur l'ensemble du territoire national, ils étaient trop conscients de leurs faiblesses matérielles pour s'engager d'emblée dans une politique d'hostilité à l'égard du Vietnam plus puissant. Policy towards Vietnam, which was much more powerful. End of quote. Free translation. So the question is not if we're dealing here with a decay that was like an angel, or the case for Vietnam as well. The question is, do the acts correspond to a geopolitical situation and to the situation inside each country and to a power play explaining that that people make such and such a decision? So, realpolitik is what it is. And if we study all on conflicts in human history, we can find similar instances of realpolitik. Why do we make agreements? Why not? Everything is based on national interests. As we can see. Je voudrais maintenant now, I would like to move on to a certain number of telegrams qui ont été cités that par were quoted by the prosecution and to return to points that were not mentioned apparently. Je pense notamment and I am thinking in particular about a first telegram, E3/1150, dated 11 November 1975. Donc, telegram so it's a telegram that was addressed to Ya. Les parties qui ont été citées par l'accusation ne comportent pas les paragraphes 5 the parts correct interpreted that were mentioned by the prosecution do not include paragraphs 5 and 6 of this document French ERN 00532 738 en Khmer 00021445 et en anglais English 00539054. And c'est important de voir ce qui est dit sur le plan politique. It's important to see what's here at the political level and point 5. Sur le plan politique, at the political level, nous nous permettons de vous demander are asking you où se trouvent leurs dirigeants. Are their leaders? Et là, entre parenthèses, and on here, parle des in parenthesis, forces armées they're speaking about the armed forces with which there were problems. Donc, où se trouvent leurs dirigeants? So where are their leaders? De quelle façon pourrait-on les rencontrer? And how could we meet them? Auparavant, avait-on une filière pour être en relation avec eux? S'il était possible de les contacter rapidement, veuillez les contacter, camarades. Contact Comrade, mais selon notre estimation, ils doivent être loin, au bord de la mer, peut-être même. Maybe at the seaside, possibly. Ils en ont parlé juste pour prolonger le temps, to play with time, à faire le rapport. And to paragraphe 6. This report, a report. En résumé, nos visions préparer les forces militaires en prenant les forces militaires les plus importantes qui se trouvent dans la base, à savoir les forces de zone, de région, de district. Quant aux forces en amont, il faudrait plus de temps. Forces, B. Avoir en main plus précisément encore la situation des ennemis. C. Examiner la possibilité de prendre contact avec les dirigeants des ennemis en vue d'une négociation politique. Autre document, Telegram E3/893, ERN en français 00386272, en Khmer 5x0 7 0 8, en anglais 00182620. L'accusation a cité le point 3 du télégramme, et je voudrais revenir sur le paragraphe 2, point 2, qui évoque le fait qu'il y a une rencontre avec les Vietnamiens du 24-1. C'était mentionné au paragraphe 1. Au paragraphe 2, c'est intéressant de noter que on parle de ce qui a été dit par la partie du Kampuchea démocratique. Il y dit ceci. And the following is au cours de la rencontre, during the meeting, il nous a proposé de parler en premier. To us to speak first. Je m'exprime selon la politique de l'Ankar and I en insistant sur la situation au 010B. Après mon exposé, il nous a accusé de façon véhémente d'avoir violé leur intégrité territoriale de plusieurs kilomètres, de 10A, 10B et 10C. At 10A, 10B and 10C.
viennent ensuite des explications complémentaires. We see extra et le passage qui m'intéresse in the segment that I'm particularly interested in. Donc il parle so des accusations he's speaking here about the accusations du territoire par le Kampuchea démocratique. Of territory violation on the part of et leurs soldats DK, ne supportaient plus cela. Soldiers could not stand this any longer. Nous avons soulevé so le problème en nous basant sur la carte. Il a dit que cette carte avait été faite par des impérialistes qu'il avait dessinée pour créer des conflits entre nous. Et nous a demandé de quitter rapidement 010B. Après de longues tergiversations, il a accepté de regarder la carte. Nous avons alors indiqué les limites de notre territoire et du leur à 010B. And we placed this at Quand 010B. When he saw il s'est calmé. Il y avait certainement down. Des erreurs dans la détermination des limites. Il a proposé qu'on examine les limites. Les probabilités d'erreur sont infimes parce que leur artillerie est très précise. Nous avons répliqué que nous ne nous étions pas trompés et parce qu'ici, que c'était toujours trouvé notre base depuis le temps de notre résistance politique. Since the time of our political resistance, and then comes the discussion on the organization of a meeting. So another point that's interesting here, qui se retrouve toujours au which we find again in document E3/893, is points number 5 and 6, where the discussions continue on the maps and on the boundaries that existed back then. Point 5, point five, il a refusé d'examiner les bornes frontalières. Mais on s'est entendu pour créer un no man's land le long de la frontière qui ne peut être violé. En même temps, on a décidé de déterminer les lignes frontalières de façon provisoire temporary way de guerre frontalière according to attendre the border la décision du comité central afin d'éviter and les conflits. We waited for a decision from the central committee in order to avoid conflict. Point six, dans la discussion, il était agressif. Mais nous avons pu garder notre calme. He was aggressive in the discussion, but we remained calm. And we replied and took the upper hand. À l'évidence de la carte. Thanks to the evidence provided in the map. On a préservé l'esprit de solidarité. We managed to keep the spirit of solidarity. On a estimé qu'on a remporté la première bataille de façon honorable. That we won the first battle in an honorable way. C'est un télégramme signé de Butte. Donc c'est intéressant de noter que il y avait des tensions peut-être de part et d'autre, tension mais que, on both sides of the border, but that in any case, at that date, it is clear de la négociation sur la base de cartes existantes. On the basis of existing maps, that was really the central point. Un autre Another, document qui a été utilisé, that was le document E3/218, qui est donc le procès-verbal du comité permanent du 26 mars 1976, of the standing committee of 26 March 1976. Et un certain nombre passages ont été segments, utilisés et mentionnés par l'accusation by the prosecution, en omettant but they omitted, parce que c'est un procès-verbal qui évoque these are minutes that describe the result of negotiations and in the presentation of the prosecution they essentially focused on what the position was of the Vietnamese as related par la personne qui faisait by le rapport, the person drawing up these minutes yeah. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi dans ces mêmes documents les éléments et les plaintes du Kampuchea démocratique qui font suite which follow, ou qui précèdent même parfois les plaintes du Vietnam. Coming from Vietnam. Et je renvoie and précisément like specifically au document E3/218 à l'URN en français 00334 339 69 00182653 et en Khmer 5x0 7x3 onto the following page as well. Et voilà ce que Ya a dit aux Vietnamiens dans son rapport based on these minutes, évoque les problèmes qui se posaient du côté du Kampuchea describing the problems on the DK side. Le super camaradia a soulevé les événements depuis la libération, since the liberation, notamment les activités d'invasion concrètes dans chaque endroit, avec les dates et les preuves. With the dates and the evidence.
Le super camarade vient spécifier que les Vietnamiens ne cessent de parler de solidarité, mais ils menacent Cambodia. En ordonnant aux avions de tirer dans le tas planes to shoot at us along the border in Mandalkiri, at Odakdong, and Dak Uch, and the artillery to constantly shell us. So what does solidarity mean in this case? En réponse, and as an answer, du côté vietnamien, on the Vietnamese side, Thikam a reproché à ses acolytes d'avoir fait ainsi de bêtises de cette manière. Li Viang a dit que les avions appartiennent aux forces de la région destinées à agir régionalement. Fin de cette première citation. Donc là, intéressant, what's interesting c'est qu'on comprend is que dans les reproches à cette date, in the donc de mars 76, that were made in March 1976 here, par des avions, they are speaking about bombing along the Mandalkiri border and artillery shelling coming from Vietnam. Et que apparemment du côté vietnamien, on reconnaît que il y a eu apparently on the Vietnamese side they acknowledge that mistakes were made. Sur la même now, page, regarding, now on the same page at, les propositions at qui, C, résultent de, the resulting sub-proposals from cette this réunion, discussion during that meeting. Nous leur avons proposé, we propose to them, alors la traduction française est the très mauvaise, translation is not de very nous retirer good, du village de Mui, de Ovai, et de la montagne de Trang Gong. Nous avons précisé que cela est notre souhait primordial. Nous avions très and envie de la solidarité, much, mais pour avoir de la solidarité, but in order il fallait to have que les super-camarades vietnamiens respectent la souveraineté du Cambodge. Jusqu'ici, nous avons fait beaucoup de concessions. Here, we made many concessions. Si les super-camarades continuent à violer le territoire du Cambodge, la solidarité ne pourrait pas fonctionner. Autre passage another segment, that's interesting par to look at in relation to the Vietnamese activities back then, 76, that was to say March 1976, ERN français, French 00, ERN 00334971, English 00182657, ERN en Khmer, Khmer 00005 times 0, therefore 757. And l'accusation a the cité quoted, partiellement in part, le petit 3 qui apparaît sur cette page, à savoir les activités page, des Vietnamiens the dans activities d'autres in other places. Mais voilà but ce qui apparaît avant before, que le parti dise ou recommande l'utilisation de mines. Voilà ce qui est dit this auparavant avant said, le passage cité par l'accusation. Before the page that was quoted by the prosecution, and I quote free translation. Au moment où nous négocions au nord-est, dans d'autres endroits, in other places, les Vietnamiens ont mené des opérations carried out sans operations arrêt, comme si après. Without stop, as follows, à l'est, in the east, aux environs de Chbok, du district de Snuol, in Snuol district, ils ont construit des routes en passant roads sur notre territoire over our territory, par la route de Barang Chas. Through Barang Chas ils sont road, entrés à 5 kilomètres à l'intérieur de notre territoire. Inside our territory. Vient ensuite then we see, le passage cité par l'accusation, the segment that was quoted by the prosecution, the party mines, etc., recommended etc. using mines, etc., etc. Et and another cité, segment that was not quoted endroit, in another place, de la frontière de Sphaerien, at the Sphaerien border, ils sont venus implanter plus de 200 piquets en came to plant à more d'un than dans notre 200 tra- spikes, dans notre territoire. More than 1 kilometer inside of our territory. Donc, là encore, so here again, il est intéressant it's interesting de noter que that, lorsque l'on parle d'un incident, one incident, il y a there évidemment are, of course, les prémices the premises de cet incident. To, this incident. Un autre another télégramme telegram que je voulais that, utiliser I would like est to use, and that was quoted by the prosecution, E3/1020, French ERN 00711511, en Khmer, Khmer 3x0, 3 times 0, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 6, 2, 6, 2, en anglais, English, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 2, 4, 6. Dans ce so, in télégramme, this l'accusation telegram, a cité the prosecution le mentioned point 3 du point télégramme 3 of the telegram relatif that relates, à to des demandes de munitions, requests, il n'a pas for ammunition, cité le premier paragraphe que did, je vais vous lire the prosecution maintenant. Did not quote the first paragraph which I'm going to read out to you now. Donc, télégramme envoyé so, au frère 89 that was sent par Chin. By Chin.
Je voudrais and vous rendre compte de la situation comme explain suit. The situation as follows. Le 16 février 1976, à 10h30 du matin, le groupe 7 a installé environ 55 soldats armés jusqu'aux dents, comme nous, avec des matériels heavily, comme des nattes, des oreillers, à Odombaï et un autre endroit visible, et dans la portion allant de Dompnal à Pumu. Ils étaient dirigés par six commandants, à savoir Aung, et les autres qui nous sont inconnus. Others, that we do not know. Du 15 au 21 février, 15 to 21 February, nous avons vainement mené sans cesse la lutte politique. Wage political et donc struggle, nous avons organisé un plan pour les attaquer directement. Fin de citation. End of quote, donc là, free translation. So here it's interesting to see that before noting that resorting to force happened, lutte politique, comme ils appellent les négociations, a été engagée du 15 au 21 février. That between 15 and 21 autre February. Document, another document, telegram, a telegram du 29 of 29 February 1976, E3/8373. C'est le point 1 dans toutes les langues. In all languages. La première partie the first part a été citée was quoted by the prosecution. Et là encore, here again, on évoque l'armement des, The arming de l'autre partie et du of fait the que other party, the other side, les, and the fact, that, le groupe ennemi a été écrasé grâce aux grenades à la main. Were smashed thanks ensuite, to grenades, but then this is what's said afterwards. Up until now, nous avons mené une lutte we waged political fight, mais ils n'ont pas political accepté struggle, de se replier. But they did not accept to retreat. Le 25 février, nous avons organisé nos forces et mené une attaque pendant une nuit et un jour. Them during one day and one malgré night, tout, despite everything, ils ne se sont pas encore retirés. They still did not withdraw. Paragraphe 2. Paragraph 2. Le 20 février 1976, nous avons effectué un travail le long de, notre frontière operated along au nord de O, our border à partir de north of O, Pomroc, à Pourac, l'équipe 7 nous a encerclés. Team 7 et nous avons réussi à nous échapper. But we managed to et à 11h30, nous avons ouvert le feu. We opened fire. L'équipe 7 Team est rentrée dans son territoire. And returned to its territory. Fin de citation. End of quote. So here again, des éléments qui we're dealing with elements that demonstrate that they were échafourés et des combats à la suite de l'entrée des Vietnamiens sur le territoire following, malgré les tentatives de négociation. Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30. Mr. 30, President, I see that it's 11:30, so if you want us to to take the break now for lunch, I can stop now. Le Président, avez-vous encore besoin de beaucoup de temps? Oui, je pensais aller plus vite, mais comme j'ai commencé à 11 heures, je pense que la session qui était prévue. I think I will need the full session that was scheduled at the start, so I will need another 30 minutes, I believe. Yes. Il me semble qu'on avait une session. I believe that we were given a session. Yes. Thank you. Le président est venu observer lunch break, une pause jusqu'à 13h30. Agents de sécurité, veuillez prendre votre sous-sol à la salle d'attente du sous-sol et veuillez le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience cet après-midi avant 13h30. Suspension de l'audience.